démarrée le 7 août dernier, la campagne nationale d'information, de sensibilisation et de promotion du secteur assurance a pris fin hier, une campagne qui visait la vulgarisation de ce secteur peu connu dans notre pays. Ondine Tungi, Arnaud Mengue pour Le Point. La commune d'Akanda, tout comme celle de Libreville, enregistre un certain nombre d'inondations en saison de pluie. Pour mieux accompagner les victimes de ces dégâts, la Direction nationale des assurances se veut être aux côtés des sinistrés pour couvrir les dommages causés par le phénomène d'inondation. Et il est important effectivement que nos populations de plus en plus se familiarisent à ce type de produit-là. Durant toute la campagne de sensibilisation qui a été faite, le ministère en charge des assurances a attiré l'attention des populations. Je pense que c'est un vrai sujet, c'est un sujet de préoccupation et tous, quel que soit notre niveau de revenu, quel que soit notre lieu d'habitation, on devrait effectivement pouvoir se prémunir contre ces risques de base là pour éviter d'avoir des sinistres relativement importants qui malheureusement, dans bien de cas, créent des situations déplorables. La souscription à un établissement d'assurance constitue une garantie pour ce chef de quartier. Avec cette sensibilisation, ça nous permettra à l'avenir, si on est encore inondé, d'aller tout droit vers les personnes d'assurance. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une bonne occasion, et une bonne information. Et je serai la courroie de transmission à la population et à mes collègues pour qu'à l'avenir, que ça se répète, nous irons directement voir les 16 assurés pour qu'enfin que nous soyons mis au point par rapport à la situation qui s'est passée la fois dernière. Le maire de la commune d'Akanda martèle sur le besoin de souscrire à une maison d'assurance. Beaucoup de gens, quand on leur parle d'assurance, ils pensent tout de suite automobile. Mais il n'y a pas que l'automobile, c'est ce qui vient d'être expliqué par les différentes parties. Donc c'est une très très bonne initiative. Vous savez que les inondations, on dit toujours c'est Akanda, mais il y a aussi sur l'étendue des différentes communes qu'il y a. Oui, c'est vrai que je pense que les gens devraient penser à cela et prendre une assurance auprès des compagnies qui assurent ce produit au niveau des dégâts des eaux. Désormais, la Direction nationale des assurances mise sur la sensibilisation pour permettre aux usagers de s'imprégner de ses missions. Dans les prochains jours, elle compte procéder à la restitution du rapport de cette campagne de sensibilisation.